Attention les mains sur le côté. Hein. Il y a des gens qui ne connaissent pas du tout, ou des gens qui habitent Saint-Aignan depuis longtemps qui ne connaissent pas. Même s'ils connaissent, ils aiment bien redécouvrir. Ils aiment bien ça. C'est très plaisant. C'est bien, j'étais petite, on allait comme ça à la pêche. Ouais. C'est très agréable. J'étais déjà venue il y a quelques années et c'est toujours aussi, je suis toujours aussi admirative devant. C'est magnifique. C'est super et le monsieur est très agréable parce qu'il nous explique bien. Donc c'est sympathique, ouais, c'est vraiment très joli. Et c'est la première fois que je découvre le lac. Qu'est-ce que vous avez vu? Plein de nénuphars. J'en ai même ramené un grand. Ben moi j'ai ramené ça. J'ai pris un nénuphar et après il y a juste à prendre une fleur. La beauté, nous sommes une association de vidéos, photos. Aujourd'hui, on propose une vue sur le lac particulière avec un décor un petit peu baroque, onirique, pour donner une autre vision du lac. Donc la vue, une nouvelle vue. Allez, viens mon poney. On cherchait un petit coin de fraîcheur en famille pour pique-niquer. On est tombé par ici par hasard et on est ravis parce qu'il y a la fête du village. Et du coup, on trouve plein d'activités pour les enfants, donc c'est super. Le grand. Et ben, il y a eu une grande cible qui a été installée sur le lac de Grenoble. Quarantaine d'années qu'elle existe à Pierre-Aigu, la fête de Pierre-Aigu. Bon, elle a énormément évolué et elle est très, très familiale. C'est exceptionnel puisque la fête de Pierre-Aigu, c'est le seul moment dans l'année où véritablement les gens peuvent naviguer un tout petit peu sur une partie du lac, puisque c'est une réserve qui est Natura 2000. Super, surtout nous on est avec les enfants, c'est idéal pour eux quoi. Attention! Je suis venu ici, j'habite Saint-Aignan, donc je suis venu plusieurs fois. Ce qui me plaît, l'ambiance, et puis le calme, la verdure, le lac. J'aime venir ici avec mes petits-enfants, faire du vélo. Ici, c'est paisible, c'est vraiment... Regardez le lac, c'est que du pur bonheur. Mes parents habitent ici en fait et moi j'habite à l'étranger mais je reviens une fois par an et à chaque fois que je reviens il y a quelque chose donc on essaie d'y participer en fait. Très sympa, très champêtre, en plus la météo est au rendez-vous, puis plein de petites animations très sympas donc on apprécie bien.